Et ces 5 là, on va les envoyer depuis Capembar jusqu'aux plaines de Vana. Créer 25 routes de transfert. Ah, j'ai que Félicitations. ça. Nouveau succès obtenu. Connexion en cours. Ça, C'est tu un l'as itinéraire confirmé. prometteur que vous avez là. Et ça, tu as confirmé qu'on C'est garde un notre itinéraire argent. prometteur que vous avez là. Profil Matrettman, Marais-Relictum, information. c'est petit, oui, plutôt. En fait, il y a beaucoup d'habitations dedans, mais en termes de population, c'est pas très grand. Et sur la Lune, t'as pas la possibilité. Tu peux construire sur la Lune que dans les cratères. Donc la carte peut être très grande si le cratère est pas très très grand. Tu feras des petites constructions en fait. Là où c'est gênant. J'ai dit. Déjà une usine comme ceci. Et là, est-ce que je suis bon? Bah, semblerait, hein. Donc ma population a l'air d'être contente. Il leur manque des centres de communauté. Options de construction. On va construire sur des points importants. Et là, il m'en demande un. Ok, bien. Par contre, on n'est pas bon du tout en termes d'énergie. Ah. Alerte. Surcharge du réseau électrique. Ça coûte. Ouais, ça demande tellement d'énergie. Je pense que ça va être notre problème principal hein, sur les colonies ici. Alors, il faut attirer des chercheurs. Bon, bah, attirer des chercheurs. Le personnel n'a rien à craindre. Jusque-là, on a observé les symptômes que chez les animaux. J'ai déjà vu ça mieux. L'équipe a réussi à extraire les premiers spécimens de la réserve. Mais jusque-là, aucune trace du virus. Rien qui puisse attester ma théorie. J'ai besoin de regards neufs pour mener les tests. Ok, donc il faut mener des tests supplémentaires. Je sais pas pourquoi, je suis pas rassuré. Nouvelles options de construction. Alors, on peut faire des plateformes de forage, on peut faire Alerte. pas mal de choses, Impossible de satisfaire la demande notamment de des l'industrie plateformes de pour votre forage qui permettraient consommation. de produire du gaz naturel, donc beaucoup plus rentable en termes d'énergie, on va dire. Mais il faut produire du feldspath et donc des usines de nanorobots. Mais pour cela, il va falloir certainement débloquer une nouvelle zone qui permettrait d'avoir plusieurs zones de construction. Alors, vous voyez, par exemple, ici, là, on pourrait avoir Les de l'eau. besoins en biens de consommation spécifiques sont insatisfaits. Alors, il nous faut quoi? Des parkas. Mais on n'a pas de parkas, ça n'existe pas les parkas ici. Et là, il nous faut des stimulants. D'accord. Eh, ils sont gourmands, les gars. Accepté. Vous allez enfin comprendre à quel... Oui, bien sûr. Bon. Bon. Notre population, il veut des choses. Ça marche. Mais les choses, on les a pas. Autant être clair. Donc il va falloir qu'on envoie des choses, notamment je pense des drones, des robots. On va en envoyer avec... des robots on peut en envoyer. Pour commencer à sécher un peu plus le marais. Ouais, une vingtaine, ça sera suffisant Traitement largement. de l'information. Et est-ce que je peux envoyer des stimulants? Ah, il en faut beaucoup des stimulants. On n'a pas du tout ce qu'il faut. D'accord. Bon, bah, on va retourner tranquillement sur les plaines viridiennes, sur la baie Je vous Viridienne. ai dit, hein? Où que vous alliez, j'y suis déjà passé. Et partout où je vais, il y a des marchandises de qualité à la clé.
Ah oui, les grandes lignes droites, oui, ça fait sortir. En fait, c'est tout simplement pour les grandes lignes droites, c'est pour dégager des perspectives dans le paysage, en fait. C'est pour ça. C'est juste l'intérêt. Ah, il y en a déjà qui me disent qu'ils aiment pas les marées. Bah oui, forcément. Pas forcément le plus agréable, on est bien d'accord. Bon, par contre, là, je vis dans le danger parce que y a de l'orage au-dessus de chez moi. Bon, ce sont des choses qui arrivent, rien de bien méchant, vous inquiétez pas. Par contre, là, il va falloir fabriquer de l'IntelliWare. Alors, l'IntelliWare, Sous-approvisionnement de biens de consommation spécifique. biostimulant. C'est bon, en biostimulant. Ah, j'ai pas assez d'implants neuro, par contre. Et de biostimulants, j'en ai pas assez non plus. Ah, d'accord, oui. Alors, les implants neuro. On peut passer à 19 ici, c'est très bien. Par contre, les biostimulants, ça va être plus compliqué. Production de Donc on va l'itinéraire aller sur Mare Relictum, ça faisait un moment qu'on n'y était prochaine pas allé. séance. Il faut qu'on Tu n'as pas fabrique été. des biostimulants. Alors le problème des biostimulants, c'est que ben, est-ce qu'on n'aurait pas meilleur compte à en produire plus, en envoyer beaucoup plus? Non, je vais changer. Je vais faire autrement en fait. Je vais tout envoyer depuis un seul espace sur Capembar et je vais ensuite déplacer. Alors attendez. Celui-là, je vais le supprimer. Parce qu'en fait, c'est plus rentable d'envoyer tout le matériel à un seul endroit depuis la Lune et ensuite de le dispatcher où là ça coûte que 200 par exemple. Que si vous faites vraiment ce que j'étais en train de faire, je suis pas rentable du tout. Donc on va augmenter la production de biostimulants. Alors faut que je les trouve par contre, mes biostimulants. Ils sont ici. Donc là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais construire une zone beaucoup plus grande. Ici, je vais pouvoir enlever le petit qui est ici, le supprimer, puisque celui-là couvre largement tous les besoins. Et on va continuer à construire donc des biostimulants. Production de l'itinéraire de transfert nulle. Mesures correctives recommandées. Quelque chose qui me plaît pas là. Voilà. Mieux. Donc là. J'ai dit que je voulais en produire. C'est très bien. Itinéraire de transfert inefficace. Pénurie de ressources. Bon, finalement, on va peut-être pas s'embêter de trop. Et on va quand même mettre des panneaux solaires, ça fera pas de mal. Qu'est-ce que tu me veux, Libre à toi? vous de relever le... Oh, la magnétite, je m'en moque. Ça, c'est bien. Là, va falloir que je réorganise tout ça. Ça me plaît pas non plus. Itinéraire de transfert inefficace. Pénurie de ressources. Itinéraire de transfert inefficace. Pénurie de ressources. Voilà. Donc là, je suis à plus 5. On va même faire plus 4 pour le coup. Il me faut de la terre rare. Donc ça, c'est des modules qui font de la terre rare. Il m'en faut encore. Donc la terre rare, il faut la protéger, bien évidemment. Ok. Donc on est bon en terre rare, on est bon là-dessus. Est-ce que c'est bon pour les quantités de production? Alors là on n'est pas du tout rentable hein, sur cette colonie, qu'on soit bien clair, on n'est pas rentable du tout.
Et je pense pas pouvoir devenir rentable. Hein. Même en construisant des stations d'entretien, qui sont... non, c'est pas des stations d'entretien qu'il me faut. C'est des centres médicaux. Qui sont vraiment importants. Qui permettent d'améliorer le bien-être de vos habitants. Alors je vais me permettre, hein, parce qu'on est à plus de 16 000 et que ça monte assez vite en termes de gains. Là, vous voyez que ma population va augmenter, sauf que je suis encore en déficit de 31, hein, ce qui est énorme. Et ça me rendra pas la colonie plus rentable que ça. Si vous voulez voir la rentabilité, voilà. On est à moins 67 000 sur la Lune. Les autres, on est juste en positif. Et plutôt pas mal. On est encore en négatif sur les glaces d'Akia. Il faudrait que je fasse plus de construction. Et si je rajoute ce qu'il me demande, c'est-à-dire de la confidentialité, je vais encore être encore plus négatif. Là, par contre, pourquoi j'ai la population qui baisse? Je sais pas pourquoi la population baisse ici. Parce que je suis à moins 2 en termes de d'implants. Profil matériel actualisé. Okay. Donc j'ai dit biostimulant. Là on va en mettre 6. J'ai confirmé. Et je vais créer une route de transfert en biostimulant. Depuis ici jusque là. Je confirme. Et ça me coûte que 200. Donc c'est beaucoup mieux en fait. Félicitations. Nouveau succès C'est obtenu. beaucoup plus rentable, vous voyez que c'est même ça me coûte que 50. Donc c'est beaucoup plus rentable quand vous faites des transferts entre deux zones plutôt que... Donc là on est vraiment gagnant pour le coup. Ok, ça marche. Bien, 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 bien. Ben, ça c'est Les une bonne navires de nouvelle. commandement, c'est le top. Vous parlez de quel endroit? Le peuple est jamais content, tu donnes du pain, il te réclame du bœuf en même temps. Il faut bien s'occuper de coincer sur leurs petites îles, oui, c'est pas faux. Pour les hamburgers, juste avec du pain, c'est normal qu'ils réclament du bœuf. Oui, bon, ça, faut pas le dire. Bah, il est bien, là, c'est bien le coin de toundra. Ah oui, rendre rentable une lune stérile, c'est compliqué, on est d'accord. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que maintenant, on sait que si on utilise, par exemple, on fait qu'un seul point d'envoi entre la lune et la Terre, par exemple. Après, on peut dispatcher depuis le point lunaire sur les autres sites lunaires. Et depuis cet espace de la Terre, on peut joindre toutes les zones lunaires. Donc ça peut être assez intéressant. Il n'y a que le deutérium qu'on est obligé de prendre dans l'Arctique pour l'envoyer ensuite Allô? aux bons Pas endroits. possible de satisfaire la demande de certains biens de consommation. Oui, je sais, t'es pas contente pour l'Intelware, je sais. Mais pour l'Intelware, il nous faut beaucoup de choses. Donc, il nous faut de la fibre de lin. Bon, ah, ok. Il nous faut du silicium. D'accord. Ok, bon, ça je le sais. Je vais pouvoir m'en arranger, je pense. Là, on va laisser ça pour le riz. Ça, c'est certain. Parce que du riz, on va en avoir besoin dès que je vais faire progresser les bâtiments. Ça, faut en être sûr. Donc, on va produire du lin, déjà. De l'itinéraire de transfert nul. Mesures correctives recommandées. Voilà, on va mettre de la logistique pour que ce soit beaucoup mieux. On n'a pas assez d'aliments, comment ça? On est bon en termes d'aliments. On envoie ce qu'il faut. Arrêtez de râler. Donc ça c'est bon, on a du lin.
Comme ça, on avait dit de l'Intelware qu'il nous faut, hein, c'est ça. Donc il nous faut une mine. On va aller la foutre là-bas au fond. Bien. J'ai pas assez d'énergie, comme à l'habitude. Non. Je peux pas la mettre d'en bas. Si, ben voilà. On est très bien là. Je vais même en construire un deuxième au cas où. Très bien. Donc la mine de silicium, on va pouvoir construire ça à la contre. On va utiliser un peu moins d'énergie. Parce que si on peut faire qu'on en utilise moins, je vais pas dire non. Le silicium, c'est bon. On va produire des vêtements. Voilà. Donc 8. Alors, on va regarder ce qu'il nous faut. Des vêtements, il nous en faut 8, on a dit. Ok. Il nous faut plus de lin. Alors j'avais trouvé une méthode pour rendre mon lin efficace. Oh, même comme ça sera très bien. Ok. On est même plutôt pas mal, on a tout ce qu'il nous faut. C'est même plutôt rentable toute cette histoire. Donc notre population va pouvoir être augmentée. Vous voyez que les cadres sont contents. Donc les cadres sont contents. Les cadres, ils vont passer au grand supérieur. Et on va augmenter donc le nombre de corporatifs d'investisseurs. Très bien. On va pouvoir augmenter encore ici d'ailleurs, à ce niveau-là. De l'itinéraire de transfert. Ah oui, là par contre j'ai fait ça, mais j'ai pas fait attention que la nourriture, on va en manquer forcément. Alerte. Sous-approvisionnement de biens de consommation spécifique. Oui, prenez votre temps, dites. Bah bien sûr que je prends mon temps pour venir t'aider. Alerte. Impossible de satisfaire la demande de Bon, jus de fruits, on n'a pas assez. Et maintenant, consolidez avant que votre élan ne s'essouffle. Bah oui, t'en fais pas pour moi. T'en fais pas pour moi. Alerte. Impossible de satisfaire la demande de certains biens de consommation. Oui, je sais. T'es pas content. J'ai bien compris. Alors. Alerte. Sous-approvisionnement de biens de consommation spécifiques. C'est toujours. Voilà, on va contourner un peu le problème, hein. Si on n'a pas assez, on achète. Alors, j'avais dit, j'ai besoin de raisins. J'ai besoin aussi de jus de fruits. Donc le jus de fruits, on va le produire plutôt de ce côté-ci, hein. Opérateur, oui. Ok. Donc j'avais dit du jus de fruits. J'ai pas assez de transport. Bon, on va rajouter du transport. Là on est pas mal. Là par contre on n'est pas bien du tout. Donc on va le mettre ici notre transport. Bien. Très bien. Puis on va même construire le pont. Tiens, pour le plaisir. Site de construction du pont établi. Bienvenue, c'est toujours. Voilà. Donc, j'ai dit. On n'a pas assez de robots. Ça, c'est pas très gênant. On n'a pas assez de nourriture. C'est pas très gênant non plus. Manger, c'est très surfait de nos jours. Ok, il nous faut rajouter de ça. J'ai plus d'énergie, décidément. Voilà. Et il nous faut encore de quoi ici produire.
Donc, cadre, il nous faut du soja. Ok. Il nous faut des habits. Ok pour les habits. Bon pour les habits? Non, je suis même pas bon pour les habits. Bon là, notre production elle a juste explosé. Hein, pour ceux qui se demandent ce que je fais, c'est que je récupère un peu, pas mes bêtises, mais il faut que je récupère tout ce qu'on a produit. Ok, il me faut du lin, donc on va en produire encore. Ah, c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup du lin. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, voyons voir. La production, ça c'est bon. On est revenu. On est revenu à niveau. Et mes revenus en plus explosent. Hein. Pour vous donner une petite idée de la rentabilité de ce que je suis en train de faire, voilà. On vient juste de gagner 32 000, tous les revenus que l'on fait. Un drap blanc, quoi? Les riches sont bizarres quand même, ils préfèrent des grosses tours de béton et de verre que des petits immeubles avec de la verdure autour. Tant qu'envoyer les Chinois, autant trier la population de salariés. Les riches sont tous bizarres, mais les gens bizarres sont pas forcément riches, ça c'est vrai. J'ai encore rien pris. Eh ben bravo. Déjà, ça parle de prendre des drogues quelconques. Ah, c'est. Non, mais c'est joli, hein. La jeunesse de nos jours. Par contre, il nous faut des implants neuronaux. Il nous faut. Oui, 5 implants neuronaux. Ouh, ça va coûter cher, ça. Histoire-là. Il nous en faut 5. Et 24. Confirmé. Traitement de l'information. Et on va aller les chercher. Et on va pouvoir construire des drones. Ça, c'est intéressant, par contre. Alors, les drones, ça, c'est bien. Alors, j'ai dit des implants neuronaux. Tiens, ça va être très bien. On va plutôt faire comme ça. Très bien, plus un. Bon en termes d'envoi. Ok, là je suis bon. Est-ce que je pourrais répartir mes implants neuronaux en fait? Je suis en train de me poser la question. Si là j'en fais 12, je confirme Tri des données. que je fais une article. Que je confirme. Itinéraire de transfert inefficace. Pénurie de ressources. Connexion en cours. Que là, c'est laquelle? C'est celle-ci. Si j'en enlève 13, ça fait 27. Profil matériel actualisé. Donc là, je dois être gagnant sur certaines routes. Pas sur toutes, mais sur certaines. Ok. Là, il me faut quoi? Des androïdes, des ordinateurs quantiques. Alors, qui produit des ordinateurs quantiques, normalement? Entre eux et eux. Ok. Donc là, il faudrait produire des ordinateurs quantiques. Mais pour produire des ordinateurs quantiques, il me faut Impossible de quoi? satisfaire la demande de certains biens de consommation. Des ordinateurs quantiques, il me faudrait du deutérium et du méthane. Et pour produire du méthane, c'est la galère. Production
Station. Itinéraire de transfert inefficace. Pénurie de ressources. Bah, tu vas me dire, j'ai déjà plus de. Bon, bah, on va construire ça alors. Hein. Ok. Et il me faut ceci. Alors ça, n'hésitez pas à le construire au plus près des zones de production, hein, c'est très important. Ça vous permet vraiment de répartir ce que vous voulez où il faut. Ensuite, il me faut du deutérium. Et le deutérium, c'est de l'eau lourde. Alors, le deutérium, par exemple, c'est les centrales nucléaires qui en produisent, faut le savoir. Ça c'est très bien. Est-ce qu'on peut produire voilà, très bien. Production de l'itinéraire de transfert nul. J'ai pas assez de poissons. Est-ce que je peux pas construire ça plutôt ici? Itinéraire de transfert. Ouais, t'es pas content, je sais. Ça marche, ça marche. On fait comme ça. Est-ce que je suis bon en termes de poisson? Non, je suis pas bon en termes de poisson. Mais je suis jamais bon, nulle part. Mais tout va bien. Bon, bah alors puisque c'est comme ça, on va aller construire. Bon, je vais ramasser ça et on va les construire sur cette zone ici. Ce qu'on a besoin pour pouvoir produire du poisson, sinon on n'est pas bon. Donc on va aller agrandir notre filiale. J'ai trouvé quelque chose sur la net. Non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas ce que tu me proposes. Coordonnées confirmées. Allez, on revendique la zone. J'aurais opté pour ce lopin de glace, moi aussi. Non mais c'est pas bien de faire de la lèche ma petite... Comment tu t'appelles déjà? Je sais plus. Mais bon, elle veut être sympa envers son patron, pourquoi pas. On va pas lui en vouloir. Ok. Ça, ça marche. Bon, là, ils veulent un centre communautaire. Est-ce que je peux en caler un par ici? J'ai pas assez de mousse. On produit de la mousse? Oui, mais pas assez. D'accord. Ça, c'est bon. Alors, j'avais dit ordinateur quantique, hein. Bah, de toute façon, on va pouvoir faire de la population. Il va nous en falloir... Donc là, on va acheter de la mousse. Voilà, parce que j'ai besoin de mousse, hein, donc j'en achète. Et on va mettre de la population ici. Et ici. Très bien. D'ailleurs, j'avais fait comme ça, c'était aussi bien. Donc j'avais dit il me fallait des ordinateurs quantiques. Mais avant ça il faut un labo cryogénique. Ok. Et il faut un ça parce qu'il faut du mobilène et du diamant.